Ce dimanche 26 février, Roselyne Bachelot a apporté son analyse de l'affaire Palmade dénonçant une haine des pauvres contre les riches. Une explication qui n'a pas séduit les téléspectateurs. Ce samedi 25 février, Pierre Palmade a été victime d'un AVC alors qu'il devait être entendu lors de son audience dans la capitale. Après grave accident de voiture ayant impliqué 4 personnes, l'humoriste avait été assigné à résidence sous bracelet électronique. Une sentence qui avait fait bondir l'une des victimes, qui a perdu dans le drame son bébé à naître. Le parquet avait pris la décision de faire appel de cette sentence. La justice doit désormais décider s'il place la star en détention provisoire ou non. Mais l'état de santé de l'humoriste vient perturber le calendrier. Si son pronostic vital n'est plus engagé, ses médecins ont donné un avis médical défavorable à sa comparution. Roselyne Bachelot lève le voile sur le phénomène de haine des riches invité ce dimanche soir sur le plateau de BFM Télévision. L'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot a porté son analyse sur l'affaire Palmade, qui selon elle, met en lumière les vices de la société française. On sait bien que l'aspect people et le feuilletonnage créent du buzz dans l'opinion publique, mais je pense qu'il faut aller au-delà de cette écume, a commencé à expliquer la sociétaire des grosses têtes. Où est-ce ce que ça nous dit? Ça nous dit d'abord que notre société française est traversée par une sorte de haine des riches et chaque fois qu'il y a ce genre d'affaires people, derrière par définition, le riche est quelqu'un de mauvais qui non seulement vole les pauvres mais leur veut du mal. Plus de 2 minutes d'analyse complètement à l'ouest, on se délecte de l'identité des personnes qui sont impliquées. En particulier qui signe l'immigration. Le sous-texte du racisme, de la haine de l'autre est là bien présent. La troisième chose qui est dite sont les problèmes de justice qui ne seraient pas la même pour tous et qui favoriseraient les riches, a expliqué Roselyne Bachelot, avant de conclure. Le quatrième signe, si est-il cette crainte avec le chaîne sexe, la cocaïne, si est-il le sentiment que tout augmente dans les supermarchés, mais il y a une chose qui n'augmente pas, si est-il la cocaïne. Une analyse qui a divisé les internautes. L'actrice Béatrice Rosen s'étonne ainsi de déconnexion totale de l'ancienne ministre, tandis que d'autres internautes dénoncent ses propos sur la toile. Cette histoire n'est pas la haine des riches, ni du racisme, si est-il un accident grave provoqué par un drogué, plus de 2 minutes d'analyse complètement à l'ouest et qui voile maladroitement le sujet de fond, analyse d'autres internautes. Une affaire qui anime, silhouette qui parle, l'affaire Palmade nous montre que notre société française est traversée par une sorte de haine des riches. Point de vue de Roselyne Bachelot @r-bachelot, hic. Twitter.com/znesojouki7, BFMTV @BFMTV, février 26, 2023 à lire aussi le 11 septembre, le Bataclan, ces étranges comparaisons de Yann Moix avec l'affaire Palmade dans quelle époque.